qui rêvait de bonheur, qui dans son pays ses horreurs et tous ses malheurs. Elle recherchait le réconfort, avait-elle tort? Alors pourquoi s'est-elle retrouvée en face de la mort? Quittant le pays, elle se sentait sauvée, mais pour elle aider avait déjà été jetée. Oh, c'est pas une fable que je viens vous raconter. Prêtez oreille et veuillez écouter. Elle et moi on ne fait qu'un, ça c'est certain. Souvent d'elle je ne prends pas soin. Bon, ça c'est pas bien. Un jour elle lâchera la main et je pense bien que ce sera la fin. Elle n'est pas bourgeoise, elle est juste débrouillarde. Et comme la plupart d'entre elles, mon Dieu, c'est fou ce qu'elle me garde. Elle est belle et unique. Pardon. Elle n'est pas bourgeoise, elle est juste débrouillarde. Et comme la plupart d'entre elles, mon Dieu, c'est fou ce qu'elle me garde. Elle a les yeux revolvers et le regard qui tue. Si un jour, j'ai fait un pas de travers, de moi dira seulement, oh, seul, mon Dieu, il fut. Mais bon, elle est belle et unique, elle est juste sensuelle. Et sur ma vie, oui, car ma vie c'est elle, et pour elle je suis prêt à tomber du ciel. Car c'était l'histoire d'une femme qui rêvait de bonheur, qui dans son pays ses horaires et tous ses malheurs. Elle recherchait le réconfort, avait-elle tort? Alors pourquoi s'est-elle retrouvée en face de la mort? Quittant le pays, elle se sentait sauvée, mais pour elle aider, avait déjà été jetée. C'est pas une femme que je viens vous raconter. Prêtez oreille, souvent sous-estimée. Le bonheur l'a rattrapé, sans cesse à se laisser tenter et succomba à ses péchés. Pensant que la femme était sans crainte, qu'elle ne serait pas atteinte, c'est alors là que son rêve s'est effacé. Merci.